Olivier Monteilli m'a appelé en disant « Est-ce que tu veux bien monter Roméo et Juliette de Gounod ?» Je ne connaissais pas l'œuvre. Tout en me disant « J'ai une demande un peu spéciale à te faire. Est-ce que tu peux le reprendre dans les conditions scénographiques, de costume et de pensée dramaturgique du spectacle, comme à la Comédie française ?» Mais là, monter le même spectacle dans les mêmes décors sans rien refaire pratiquement, sauf que c'est plus les acteurs, c'est les chanteurs. Ça, je me disais, waouh! Alors ça, c'est un truc très curieux. La difficulté que j'ai avec les chanteurs, qui n'est pas une difficulté, qui est un travail en plus, c'est l'organisation spatiale. C'est l'organisation des chœurs, c'est le fait que quand les acteurs arrivent, finalement, ils portent leur propre rythme. Et j'essaye, pour les chanteurs, de leur donner des appuis de jeu qui ne soient pas contradictoires avec le chant. Et je travaille avec les solistes dans un premier temps. Maintenant, j'ai les danseurs, donc je préfigure ce qu'il y aura avec les chœurs. Ensuite, les chœurs vont arriver. Donc voilà, c'est un travail par strate. Roméo et Juliette est une partition pivot, d'abord chez Gounod lui-même. Il y a des indications, par exemple pour l'air de la reine Mab, des indications qui sont presque malériennes sur l'atmosphère et comment traiter le pianissimo de l'orchestre. Le moins de son possible est demandé à l'ensemble de l'orchestre, avec des images. Le son de l'orchestre doit sonner comme un rêve. Ça, ce sont des indications chez Gounod qui n'existent pas avant. Qu'il met là-dedans parce qu'il veut absolument que son écriture orchestrale sonne de façon très particulière et très novatrice. L'autre révolution, c'est que le sentiment amoureux n'est pas juste un vecteur, un élément déclenchant de l'action, c'est quelque chose, c'est un parcours amoureux initiatique total. On a une exploration du sentiment amoureux à travers quatre moments entre Roméo et Juliette qui va jusqu'à... qui est presque une encyclopédie du sentiment amoureux. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau.